Capter Develop News TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec M. Franck Segolutté sur notre plateau qui va nous parler de beaucoup d'activités en Côte d'Ivoire. Mais surtout, il faut savoir que Franck Segolutté est secrétaire général, fondateur du mouvement Les Enfants de Côte d'Ivoire, une association à caractère politique et culturel. Et ensuite, il est conseil en communication, analyste politique aussi, et leader de la galaxie patriotique en France, acteur engagé de la résistance et surtout, important de le rappeler aux téléspectateurs que vous êtes, que Franck Lutté est un enfant du PDCI. Il est membre fondateur de la JPDCI ici en France. Alors Franck Lutté, bonjour. Bonjour. Quelle lecture faites-vous de la situation politique ivoirienne ? Avant tout propos, je tenais particulièrement à ce que nous observions une petite minute de silence en la mémoire de votre confrère et Désiré Houé qui a été assassiné par les escadrons de la mort de M. Dramane Ouattara. Donc je souhaiterais que nous puissions observer. Merci, nous allons l'observer. Merci beaucoup. Merci. Merci de me recevoir sur votre plateau, Event News TV. Comme vous dites, quelle est la situation que je fais de la situation politique ivoirienne. Ce que je peux dire, c'est que je constate un état où celui qui est à la tête de l'autorité ivoirienne caporalise plusieurs pouvoirs. En dehors d'être le chef de l'autorité ivoirienne, il est président de son parti, il est ministre de la Défense, il est ministre de l'Économie. On a son petit frère qui est directeur de cabinet ministre, et directeur financier ministre, sa petite sœur ou sa nièce qui est aussi conseiller à la présidence. Donc, c'est une histoire de famille. C'est la gestion d'un État par un clan. C'est ce que, personnellement, j'observe. Et sur le plan politique, je dirais que nous sommes dans un parti unique où les différentes libertés individuelles sont privées, où nous avons un régime militaire qui est en place, parce qu'il ne faut pas oublier la présence très visible de ce qu'on appelle les FRCI, qui sont les Forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'armée de M. Dramane Ouattara. Nous avons une justice sélective, c'est-à-dire la justice des vainqueurs, où les bourreaux deviennent les victimes et les victimes les bourreaux. Donc nous avons un pays où tout va mal. Tout est sombre pour vous en Côte d'Ivoire. Oui, on nous avait dit qu'on nous avait soi-disant sorti de où ça n'allait pas. Là, nous nous retrouvons dans où ça ne va pas du tout. On a dit, vous êtes dans où ça ne va pas. On nous déplace, c'est pour nous mettre dans où ça ne va pas du tout. Donc, que faire? Voici les questions qui nous animent. Alors, l'esprit qui vous anime. Mais deuxième question, M. Franck Segolutté. Quelle est donc votre position face à la réconciliation prônée par M. Alassane Ouattara? Parce qu'il faut le retenir. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais il a quand même fait des gestes pour aller à l'apaisement, notamment la libération des leaders du FPI, et il a aussi fait appel à tous les exilés politiques de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est vrai que certains rentrent et ne se sentent pas à l'aise, mais il l'a quand même demandé. Oh, vous savez, M. Dramane Ouattara communique sur la réconciliation. Il n'est pas engagé pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, parce que la réconciliation, ce n'est pas un mot, c'est un comportement au quotidien. On ne peut pas prôner une réconciliation le matin et l'après-midi pour chasser ceux qu'on considère comme étant ses ennemis, mais qui sont des enfants de Côte d'Ivoire, et ceux avec lesquels nous devons faire la réconciliation. Parce qu'il est important de préciser qu'en Côte d'Ivoire, on fait un amalgame à la réconciliation. Il n'y a pas de problème entre les Ivoiriens. Les peuples ne s'affrontent pas. Il y a un problème politique. C'est deux camps politiques qui sont opposés. Le RHDP amené par Dramane Ouattara, et la LMP conduite par le président Gbagbo Laurent. Si on doit parler de réconciliation, ce sont ces deux camps qui doivent s'asseoir à une table et parler, et par la suite, chacun d'eux parlera à son peuple et les choses se mettront à rouler. Voici, mais ce n'est pas créer un fourre-tout, mettre tout le monde dedans, les religieux, les ceci, les cela, des gens qui n'ont rien à voir avec le problème que nous vivons. C'est une crise politique. Donc, M. Dramane Ouattara ferait mieux d'orienter son action sur du concret. Ce n'est pas de la communication de libérer quelques personnes. Est-ce qu'il avait le choix? Je me pose la question. Mais sachant le programme qu'il avait, parce que pour lui, il faut que le FPI vienne lui demander pardon,
avant qu'on libère les gens. Je ne le voyais pas en train de libérer le FPI. Et puis quand je vois le FPI qui est sur le terrain, c'est un FPI décomplexé. Ce n'est pas un FPI qui a peur de s'affirmer. Justement, en parlant du FPI, on a le fondateur de ce parti, le président Laurent Gbagbo, qui est incarcéré à la CPI. On a aussi l'une des fondatrices aussi de ce parti, l'épouse du président Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, qui est aussi incarcérée. Et puis on a la situation des criminels identifiés dans le camp du président Ouattara. Alors donc tout ça mis ensemble, on a le sentiment que rien ne bouge en Côte d'Ivoire. Vous savez, au niveau de la justice, pour commencer par le président Gbagbo, puisque c'est le cas de le dire, le président Gbagbo est otage de la communauté internationale. Tout le monde sait que le président Gbagbo Laurent est vainqueur de l'élection et il n'a pas manqué de rappeler que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a créé la guerre. Mais il est bien aussi de préciser que le président Gbagbo Laurent est à la Cour pénale internationale pour 166 victimes sur une guerre qui a fait 3000 morts. On va juger une personne pour crime de guerre pour 166 victimes. Il reste 2834 victimes qui n'ont pas de responsable sur 3000 morts. Donc comprenez que nous sommes dans un schéma politique. La détention du président Gbagbo n'est que politique, c'est une forme d'exil, puisqu'on lui proposait de quitter la Côte d'Ivoire. Puisqu'il n'a pas accepté de quitter la Côte d'Ivoire, on le sort de la Côte d'Ivoire de force. C'est ce qui se passe. On le détient dans un endroit où il n'a pas sa place. Pour revenir à la situation nationale, il faut comprendre que Mme Simone Gbagbo, c'est une dame d'honneur. Je ne cesserai de le dire, de le répéter. Ce n'est pas une femme de salon. C'est une femme engagée, combattante, intellectuelle. Engagée, une dame chevronnée. Aujourd'hui, qui se retrouve traitée de tous les noms d'oiseaux, jusqu'à même dire qu'elle a créé des escadrons de la mort. Il faut être sérieux. Même quand on n'aime pas les gens, des fois, il faut avoir un peu de la retenue dans ce que nous voulons dire. Alors, ces escadrons, rapidement, commencent à sévir. Ben, voilà. Comme par hasard, les escadrons de la mort refont surface. Mais cette fois-ci, Mme Simone Gbagbo, elle est détenue. Ou bien c'est encore Mme Simone Gbagbo, depuis sa détention à Odienné, qui téléguide les escadrons à Abidjan pour tuer des journalistes, pour tuer des ceci. Vous savez combien de jeunes ont disparu à Abidjan? Beaucoup de jeunes disparaissent tout simplement parce qu'ils ont une fois porté le t-shirt Gbagbo Laurent, parce qu'il était un peu chaud dans le quartier pour la campagne. Tous ces jeunes, on ne nous a jamais dit où est-ce qu'ils sont. On a les Blé Goudé qui sont en prison. Blé Goudé est un combattant au menu. Blé Goudé, il n'y a aucune vidéo de Blé Goudé où il appelle les jeunes à prendre des armes. La seule fois où il était dans une position avec l'armée, c'était pour un recrutement officiel. L'État fait appel à la jeunesse pour intégrer les forces de défense. C'est une démarche normale. Mais si c'est celui-là qui se retrouve incriminé, inculpé pour crime de guerre, crime contre l'humanité, il faut comprendre qu'il y a un problème au niveau de la justice. On a tous les assassins et criminels qui sont en liberté. Tout le monde le sait. Chaque jour, les différents rapports des organisations internationales, de l'ONU, ne me cessent de répéter cela. On a même parlé dernièrement de la découverte de 6 corps dans une mosquée au 220. Après, quelques jours après, plusieurs corps découverts dans le jardin du centre de Trècheville. Oui, mais justement, l'ONU accuse le régime d'Abidjan d'avoir tenté d'assassiner les exilés politiques du Ghana. Un rapport que le gouvernement ivoirien a récusé de façon catégorique. Et entre-temps, le secrétaire général, moi, je le dis de façon claire, parce que tous les experts qui travaillent sous la coupole de l'ONU sont diligentés par le secrétaire général. Donc, entre-temps, le secrétaire général de l'ONU, des menteurs et d'irresponsables. Alors, vous qui parlez si bien de cette façon de faire en Côte d'Ivoire qui n'est pas catholique, qu'est-ce que vous pensez aussi de ce rapport? Mais c'est un rapport qui dit ce que tout le monde sait. Tout le monde sait depuis un certain moment, depuis l'année dernière, que M. Dramane Ouattara, par le canal de son ministère de l'Intérieur, avait fait déplacer certains mercenaires sur le Ghana pour porter atteinte à l'intégrité physique des différents leaders qui s'y trouvaient. C'est pour ça même que je ne peux pas dire que je me réjouis que Blé Goudé soit en Côte d'Ivoire, mais quelque part, il est plus en sécurité en Côte d'Ivoire qu'au Ghana. Parce qu'on aurait trouvé un matin son corps soit dans les rues,
Parce que les Dramane Ouattara, ils avaient amené des gens pour porter atteinte à leur intégrité physique. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Tout le monde le sait. Les différentes personnes qui sont en exil au Ghana le savaient. Elles ont même diffusé des messages, des prudences, des mesures de sécurité. Donc aujourd'hui, Dramane Ouattara, quand il trouve que l'ONU est irresponsable, c'est dommage parce que c'est le même ONU qui accusait Gbagbo Laurent de tout. Et Dramane Ouattara supportait l'ONU en ce moment. Donc si l'ONU dit aujourd'hui qu'il a fait ceci et qu'il a fait cela, il ne peut pas dire que l'ONU est irresponsable. Je crois que c'est lui qui est plutôt irresponsable de dire que l'ONU est irresponsable quand on fait confiance à l'ONU comme ils ont fait confiance à l'ONU. Quand ils ont soutenu l'ONU dans toute la démarche, quand l'ONU leur a apporté tout le soutien. Franck Luther, merci, vous êtes quand même un paradoxe. Militant du PDCI, fondateur, membre fondateur de la JPDCI en France, on ne vous voit nulle part dans les réunions du PDCI. Vous êtes plus engagé avec les leaders de la Galaxie Patriotique qui soutiennent le président Laurent Gbagbo. Le PDCI, ces derniers temps, a connu quelques remous qui ont fini par se solutionner avec la réélection du président Bétier. On ne vous a pas vu. Mais finalement, on se pose la question, Franck Luthé roule pour qui? Et que fait vraiment Franck Luthé au sein de la LMP? Vous savez, Franck Luthé appartient à une génération. Et j'appartiens à la première génération des citadins africains. Tous nos parents, ils sont nés à la campagne. Moi, mon père, il est né sur une feuille de bananier. Moi, je suis né dans un hôpital. J'appartiens à la première génération d'Africains qui a voyagé à travers le monde. Partout où vous irez dans le monde, vous trouverez ma génération. Nous sommes la génération qui ne porte pas en elle des sentiments d'exclusion. Nous ne connaissons pas « toi, tu es ceci, toi, tu es cela ». La preuve, même en France, vous constaterez que c'est notre génération qui a amené le mot « cousin ». Dès qu'on est tous des Noirs, on est tous des cousins. Avant, ça ne se disait pas comme ça. Et cette génération, et tout cela fait de nous la génération qui a un rêve pour l'Afrique. Et ce rêve premier, c'est la souveraineté de nos États. Donc panafricaniste. Voilà, la souveraineté de nos États. Et celui qui incarne le mieux ce rêve en Côte d'Ivoire, c'est le président Gbagbo Laurent. Donc, même au PDCI, ma génération se trouve au PDCI parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes du PDCI, je ne suis pas là pour citer les noms, qui ont fait la campagne du président Gbagbo Laurent. Il y a même des cadres. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Le président Zinsou d'Africa, Simply Zinsou, était le président du club des amis de Gbagbo Laurent. Mais ce club était constitué à 90% des cadres du PDCI. Ils ont cotisé de l'argent. Il y avait même des directeurs de campagne RHDP qui étaient dedans. Donc, ils n'ont pas cité les noms. Mais ils étaient directeurs de campagne au deuxième tour, mais ils ont donné de l'argent dans le club des amis de Gbagbo. C'est une question de génération. Donc, nous sommes cette génération qui se trouve au PDCI et aussi au FPI qui a un rêve pour la Côte d'Ivoire. Et les gens pourront dire « Franck est un enfant du PDCI ». Mais je demeure un enfant du PDCI parce que le PDCI incarnait certaines valeurs. Ce sont les valeurs de la République. Des valeurs de paix, des valeurs d'amour, des valeurs de partage, de fraternité, d'égalité, de justice et de pardon. Et ce sont ces mêmes valeurs que le président Gbagbo Laurent incarne à travers son combat. C'est pour ça que je ne me gêne pas de me tenir au chevet de l'État en étant aux côtés du président Gbagbo, parce que je ne suis pas au secours de M. Gbagbo Laurent pour dire que M. Gbagbo Laurent est en danger et je viens secourir M. Gbagbo. Je suis au chevet de l'État ivoirien. C'est l'État ivoirien qui est en danger. C'est l'État qui a besoin de nous. C'est pour ça que vous me voyez aux côtés de la résistance. Parce que leur combat, il est vrai. C'est le juste combat, c'est celui qui m'anime. Donc je ne peux pas le mener aux côtés des gens du RHDP. Vous ne pouvez pas vous débiner. Merci beaucoup, M. Franck Luthé. Dernière préoccupation. Alors, que pensez-vous, on y est déjà, d'une prochaine candidature unique sous l'égide du RHDP du président Ouattara? Parce que c'est à ça qu'on s'avance. Vous voyez, parler de candidature de Dramane Ouattara, pour moi, c'est ridicule. Parce que M. Dramane Ouattara n'est pas arrivé à réconcilier les Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens lui donneront un autre bail de 5 ans pour encore entretenir la division? M. Dramane Ouattara a échoué. Je crois qu'il doit tirer les conséquences.
à la fin de son mandat, soi-disant, il faut qu'il tire les conséquences de son échec. Et puis, laisser la Côte d'Ivoire avancer tranquillement pour que nous puissions penser à l'avenir des Ivoiriens. Ce n'est pas aujourd'hui une question de la candidature de Dramane. Et puis, M. Dramane Ouattara annonce sa candidature. Il est candidat face à qui? Quel est son adversaire? Parce qu'il dit partout, votez pour moi. Mais on vote pour lui face à qui? Est-il candidat face à Bédié? Je ne le pense pas, puisqu'il est le candidat du RHDP. Mais jusqu'aujourd'hui, aucune candidature déclarée n'est connue. Il n'a empêché personne de se déclarer. Oui, mais vous savez, dans un pays, il y a quand même des règles. C'est ce que je déplore. Il faut respecter la Constitution. Il y a des délais pour l'ouverture des campagnes, pour les dépôts des dossiers de candidature. Et puis un chef d'État, il ne profite pas d'une soi-disant visite d'État pour demander aux gens de voter pour lui. Donc c'est tous ces petits gestes de M. Dramane Ouattara qui m'amènent à dire que nous ne devons plus lui donner une chance d'être à la tête de l'État. Comme nous sommes des démocrates, nous ne pourrons que le dégager de l'État de façon démocratique. Et c'est ce que nous allons faire. Merci, merci beaucoup, M. Franck Luthé. Merci. Vous êtes un démocrate, on vous a compris. Téléspectateurs de 20 News TV, nous étions en compagnie de Franck Sego Luthé, comme je l'ai dit tantôt, fondateur et secrétaire général du mouvement Les Enfants de Côte d'Ivoire. Merci pour votre fidélité. On se retrouve pour le troisième numéro très, très prochainement. Merci. À bientôt. À bientôt.